Ça va être un peu plus long que 3 minutes. Comme ça, 10 ans, j'espère que ça n'est pas trop ennuyant pour vous. Mais je pense que c'est intéressant de connaître ce qui se passe en Espagne. Pour moi, ça a été vraiment très intéressant d'écouter tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et j'ai noté l'un des différences par rapport à l'Espagne, et ce serait intéressant d'en parler. Là, avec ma présentation, peut-être je vais faire des petits commentaires sur ça, mais après, moi je suis là tous les jours, ça c'est intéressant de parler sur ça. Et, c'est important aussi que, bah, c'est presque normal, mais c'est important de le répéter, moi je représente la personne, moi je représente à moi-même. Je ne représente pas un réseau espagnol, je ne représente pas des collectifs espagnols. Moi, je suis, d'ailleurs, je suis italien. mais ça fait déjà longtemps que j'habite à Madrid et j'ai connu très profondément tout le mouvement qui, il y a déjà 10 ans, 15 ans, est mis en place en Espagne. Et du coup, cet point de vue un peu plus extérieur, ben, ça m'a donné un peu l'opportunité d'écrire, d'en parler avec tous beaucoup de collectifs espagnols. Donc, du coup, ben, je vais vous donner ma vision de ce que c'est le scénario espagnol, avec des choses que je pense que c'est très intéressant, d'autres choses dont je suis plutôt critique. Mais c'est une vision personnelle, je pense que c'est important. Je ne présente pas à tous les Espagnols, c'est vraiment difficile ça. Hein. Et bon, pour que ce soit plus facile, je vais raconter un peu une petite histoire. Vous savez ce qui s'est passé en 2011 en Espagne, non, j'imagine. Ça, c'est quelque chose de très important. Je vous disais, l'histoire, ça ne commence pas en 2011, c'est quelque chose de plus loin. Mais je voulais commencer avec ça parce que ça a été vraiment quelque chose de très fort et ça a amené, il y a beaucoup de critiques, les gens pensent que ça ne sert à rien, ça ne change rien. Je ne sais pas si vous avez lu les nouvelles, maintenant en Espagne il y a toute une crise de corruption, de politique. Bref. Mais au niveau culturel, au niveau organisation, cet événement, ça a changé beaucoup de choses.
surtout dans la façon de fonctionner, par exemple, dans les collectifs et dans la façon de créer des réseaux, des connexions entre des groupes, des collectifs, des gens qui veulent chercher, changer les choses. Et en 2012, s'est passé aussi des choses un peu bizarres. Et la première, c'est ça. Intelligence collective est un projet qui essaye de donner de la visibilité à l'intelligence populaire par rapport à l'architecture. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui, dans leur maison, sont arrivés à des solutions architecturales qui sont vraiment très, très intéressantes et qui c'est les résultats de plein de gens qui ont allés changer. C'est une tradition qui se répète et ça s'améliore de génération en génération. Vous savez, je pense que c'est le même ici en France, si tu parles de ça à l'école, à l'université, ben, pour moi en Espagne, tu es nul, quoi. Ça, c'est pas de l'archi, tu parles pas de ça dans l'école d'archi. Du coup, 2012, en Espagne, il y a un prix d'architecture, c'est la fondation de la banque des architectes, ça s'appelle Arquia, qui donne un prix tous les années. 2012, c'est ce projet-là qui a gagné le prix. Et c'est déjà très étonnant qu'il gagne un prix, un projet qui va juste faire une analyse, une base de données de tous les types d'intelligence collective qui sont en train de se mettre en fonctionnement un peu partout dans le monde. Après, bizarrement, il y a un autre événement à Barcelone, ça s'appelle M3, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un festival, en fait, toujours relié à l'architecture et à la gestion urbaine. Et ben, ça a été bizarre parce que les thèmes de ce festival, c'était bottom-up. Encore une fois, il y avait cet intérêt de changer le point de vue. On ne parle pas de Le Corbusier, l'architecture, la composition architecturale. On ne parle pas des logements sociaux et tout ça, mais on parle de ce qu'on est en train de faire dans la rue en partant avec les actions, la collaboration, la participation des citoyens. Total, que dans ce festival, toutes les présentations, c'était, on peut dire, un peu le scénario général qu'on a en Espagne d'intervention dans les espaces publics avec la participation des citoyens. Dans mon point de vue, c'était un peu bizarre, c'était un peu, on peut dire, un peu spectacle. Je vais retourner beaucoup de fois sur ça, mais je vais pas parler de ça maintenant. Et, troisième chose très intéressante qui passe dans le 2012, il y a un autre prix, qui c'est le prix qui donne un centre culturel de Barcelone, dédié justement aux espaces publics. Ça, ça m'entend, ouais. Et là, il y a toute une organisation des gens qui décident de présenter comme possible gagnant du prix ce qui est passé à Madrid en 2011. C'est pas, ça n'était pas les gagnants, mais les jurys. S'est vu obligé à créer une nouvelle catégorie de prix. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas dire que c'était le projet gagnant parce que ce n'était pas un projet architectural, ce n'était pas quelque chose qui avait été créé pour les techniciens, c'était quelque chose qui a été fait pour les citoyens. Mais il y avait toute une ambiance en Espagne que faisait qu'une fois que ce projet a été présenté à cet concours, ils devaient prendre position par rapport à ça. La décision finale, ça a été ils sont gagnants, mais ils ont gagné un prix qui a été inventé exprès pour cette année. Bon. Quatrième événement, le magazine
Aquí de toda la vida, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magazine assez important en Espagne, l'un des plus importants, décide de dédier à tout ce qui est en train de se passer entre les collectifs espagnols, de cette architecture sociale. La traduction, ce n'est pas tout à fait précis. On en parlait hier, je ne sais pas comment traduire l'architecture sociale de l'espagnol au français. Mais on peut dire que tous ces magazines, c'était les numéros de septembre ou octobre de 2012, ils étaient dédiés à ça. Ça, c'est une revue qui parle tout à fait d'autre chose. On parle toujours de les archistars, tout ce qui se passe dans le gros concours et tout ça. Non, on ne parle jamais de l'architecture de base qui, normalement, n'est pas visible dans ce type de magazine. Bon, cette fois-là, ce magazine décide de faire cette chose. Moi, personnellement, j'ai été invité aussi à écrire une réflexion, une critique à ce qui s'était passé par rapport à ça en Espagne, dans cette revue. Mais bizarrement, moi, un peu naïf, peut-être moi, ils m'ont coupé les parties plus critiques. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas d'espace et s'il pouvait couper. Moi j'ai dit oui, mais je n'ai pas revu la version finale. Du coup, en fait, mon article c'est assez politically correct. Non, c'est pas, moi j'étais un peu critique. C'est parce qu'une chose comme ça arrive peut-être avec 10 ou 15 années de retard. Non, il parle des collectifs en Espagne maintenant, mais c'est quelque chose de vraiment très ancien. Et bon, ça, on peut avoir une situation de ce qui s'est passé dans les deux dernières années en Espagne. C'est vraiment quelque chose de très fort. Je vous disais, c'est quelque chose qui a des racines qui vont plus loin. Et moi, je pense qu'il faut toujours savoir quelles sont les situations dans ces cas, les lieux qui ont favorisé l'approche, les connexions qu'on voit qui existent en Espagne entre tous, entre beaucoup de collectifs ou des gens qui sont en train de développer un nouveau imaginaire professionnel par rapport à la gestion urbaine. Là, on peut voir, aujourd'hui, vous en avez parlé beaucoup, il y a d'abord une position différente professionnellement, comment on se pose par rapport à notre profession, et après on parle beaucoup du contenu de notre profession, non? comment on voudrait que nos projets ça se développe. En Espagne, je pense qu'il y a eu des choses qui ont favorisé ces connexions que j'ai l'intuition qu'en France et même en Italie que j'ai connu, vraiment parce que je suis italien, ça n'existe pas trop. Et une chose intéressante, c'était ça, c'était les espaces étudiants partagés, c'est pour ça que j'ai appelé ça. En fait, en Espagne, il y a toute une tradition, les architectes, les deux dernières années, ils louent un appart, ils transforment cet appart dans un atelier. Ils commencent à travailler tous ensemble pour la thèse, je ne sais pas comment vous appelez, le travail final d'études. Normalement, c'est un travail qui ça dure beaucoup de temps, c'est pas quelque chose que tu fais en 6 mois, ça dure une année et demie, des fois 2 années, des fois, voire, j'ai des amis, 6 années, parce que pendant, tu commences à faire beaucoup de choses, et tu laisses un peu tomber cette partie de l'étude. Mais c'est intéressant parce que ça continue cette démarche. Les étudiants louent un appart, par exemple 10 amis, ils décident de louer un appart, de se rassembler autour de cet appart, de transformer cet appart dans un atelier. Ces ateliers, c'est vraiment des centres d'innovation très forts. Pour différentes raisons. La première, c'est que en fait, les étudiants, ils n'ont pas de soucis économiques.
En plus, là, dans ces cas-là, c'est des gens, par exemple, si je pense à ma ville, et c'est des gens qui vivaient avec ses parents. Vous savez qu'en France, en Italie, on a ces problèmes, non? Et jusqu'à peut-être à 30 ans, on vit toujours avec nos parents. Mais dans ces cas-là, c'était on peut dire, un petit avantage, parce que les étudiants vivaient avec ses parents, mais du coup, ils n'avaient pas de problème d'argent, ils ne devaient pas se payer un loyer. Mais ils avaient besoin d'un espace d'indépendance, et du coup, cet espace, ils ont retrouvé dans ces apparts, ils se retrouvaient avec ses potes, en train de travailler sur des projets d'archi ou des concours. Donc, ils n'avaient pas un souci économique, et ils étaient vraiment dans cette phase vraiment d'expansion, des recherches, des réflexions très fortes, qu'on a en train de terminer les études, non? Cette phase dans laquelle tu en as assez marre de l'université, tu penses que en fait, ce que tu reçois par l'université, ce n'est pas vraiment intéressant. Du coup, tu cherches avec tes amis à créer des nouvelles situations beaucoup plus intéressantes. Du coup, en Espagne, il y a eu ces espaces où tout ça a eu lieu. C'est-à-dire que moi, je pense à Madrid, quand je suis arrivé à Madrid, j'étais vraiment très étonné de voir ça. Moi, j'ai vécu à Rome et à Paris et j'avais pas vu ça. Et dans ces lieux, il y avait plein de choses qui s'est passées, il y avait des associations qui s'est montées, plein de projets créatifs. Et ces projets créatifs qui s'est montés, des fois ça marchait pas, des fois c'est devenu des projets très très intéressants. Après, il y a d'autres choses que c'est très important. Des lieux publics, on peut dire. J'ai présenté différentes typologies des lieux qui ont favorisé les rencontres, on peut dire, un peu de ceux qu'avant on pourrait appeler la contre-culture, c'est-à-dire une vision différente des choses. À Madrid, il y a un lieu qui s'appelle la Tabacalera, c'est une ancienne usine de tabac, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est vraiment énorme. Des questions vraiment très politiques, l'État, parce que ça appartient à l'État, il a donné la gestion du lieu à des artistes. Les artistes, ils ont pensé que ce n'était pas eux qui devaient gérer ça, mais c'était quelque chose qui devait être autogéré entre tous les citoyens qui avaient envie d'autogérer ça. Du coup, il s'est créé un lieu vraiment très, très intéressant. Il se passe plein de choses et c'est tout autogéré. Et ça, c'est un lieu très important où les gens qui ne sont pas très... Parce que nous, un peu, on a vécu cette idée, non, de consommation. C'est-à-dire que tu as... dans notre vie quotidienne, on a toujours une structure très claire par rapport à ce que est consommation et ce qui est production. Non? Par exemple, moi, si je suis architecte, je serai producteur quand j'ai fait de l'archi, et tout le reste qui a relation avec ma vie privée, et je suis consommateur. Si je dois manger, j'achète. Si j'ai besoin des meubles, j'achète des meubles, et tout ça. Non? Mais en fait, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que beaucoup de gens, je pense que tous, on est un peu sur ça, on commence à voir que cette mélange entre... cette séparation entre consommation et production commence à se mélanger, on hybride tout ça. Non? Et c'est important d'avoir des lieux où ça, c'est possible. Parce que sinon, on reste toujours chez nous et on n'a pas la possibilité de développer ces démarches. Non? Ça c'est un exemple, je pense qu'en plus beaucoup d'entre vous connaissent ça, notamment Exist, qui a été protagoniste de ce projet. À Madrid, il y a un lieu, ça s'appelle Campo de Cebada, c'était une ancienne piscine qui a été démolie. Après, la mairie est restée sans argent, ne pouvait pas construire... Il y avait
bon, la première mairie, il y avait des privés, la mairie qui voulait construire un centre commercial. Il y avait plus d'argent. Total, finalement, il reste un trou dans le centre de la ville. C'est vraiment le centre de la ville. Et l'histoire, c'est un peu plus long. Je ne vais pas rester beaucoup sur ça, mais finalement, avec l'occasion d'une nuit blanche, j'ai été invité à transformer cet espace, mais pas seulement dans une nuit. Il y avait tout un travail d'un mois et demi, on parlait juste tout à l'heure. Mais la chose la plus intéressante, c'est que ce travail ça a activé un intérêt des voisins qui se sont mis en marche pour demander à la mairie la gestion de cet espace. Maintenant, dans mon point de vue, c'est l'un des endroits les plus intéressants qu'on a à Madrid. C'est un espace autogéré. Et là-bas, il se passe plein de choses. C'est vraiment, et quand on y va, on a une sensation vraiment très intéressante où on pense qu'on pourrait rencontrer plein de gens intéressants. Et on pense que c'est un espace public où peuvent se passer plein de choses que normalement ne passent pas dans l'espace public. Et c'est devenu seulement, on l'a vu aujourd'hui, des espaces de passage et tout ça. Mais il y a aussi, c'est important, il y a aussi des centres plutôt officiels. Mediala Prado est un lieu qui appartient à la mairie de Madrid. C'est plutôt pensé pour la figure geek, technologique et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce lieu a poussé beaucoup sur ce qui est la culture du bien commun et la culture du open source. On va en parler aussi tout à l'heure sur ça, parce que c'est vraiment très important en France, tout ça. C'est intéressant qu'il y ait des lieux aussi officiels, même s'il y a beaucoup de problèmes sur ça, parce que, en fait, la mairie, ils gardent ça, justement parce qu'ils ont des résultats très intéressants, mais ils ne donnent pas beaucoup d'argent à la gestion de cet espace spécifique, parce que il ne lui intéresse pas, parce que c'est un espace, c'est l'un des premiers espaces qui a commencé à travailler l'autogestion. Mais ce n'est pas une autogestion. On peut dire que ce n'est pas un espace, par exemple, de présentation ou un espace où il y a des expos, c'est un espace de production. Moi, j'étais étonné aussi, quand je suis arrivé à Madrid, je ne connaissais personne et j'avais un projet. J'ai parlé avec eux et avec eux, j'ai pu développer mon projet qui est avec eux. Je ne raconte pas l'histoire. Mais c'était intéressant. C'est un espace, moi j'appelle ça un espace d'opportunité. Tu vas là-bas, tu pourras rencontrer des personnes pour développer des projets qui s'intéressent. Après, il y a un truc qui est important. Je vais être un peu lourd sur ça, mais en Espagne, Internet, ça marche pas mal. Et ici, je sais qu'il y a un peu de... Je ne sais pas comment dire, mais c'est pas vraiment... Je n'ai pas vu comme quelque chose de vraiment intéressant. Et je pense que j'ai eu la sensation qu'en France, on pense à Internet plutôt à des choses qui c'est du marketing, qui c'est de la communication tout court. Il y a toute une vision vraiment différente de celle qu'on a en Espagne. Avec ça, je veux dire que tout ce qui est en train de se passer en Espagne, et même le 15 mai, les Indignados, c'est quelque chose qui est vraiment très, très attaché à la forme qu'on a d'utiliser Internet et les réseaux sociaux en Espagne. Et, après, il y a toute une question. Ok, on peut dire que comme vous-même, en Espagne, il y a tout un mouvement des gens qui pensent à une forme alternative de penser la ville, de transformer la ville, mais où on peut rencontrer des gens, où c'est le débat sur ça. Est-ce que c'est dans les universités? Est-ce que c'est dans la rue? Où c'est ça, non? Ben, il y a une chose un peu bizarre qui passe en Espagne. Il y a un côté positif et une de mon point de vue négatif. C'est qu'il y a beaucoup de débats qui se passent dans les centres culturels. C'est un peu bizarre ça.
n'y a pas de débat dans les universités. Les universités ne parlent pas du tout de ça. Mais on parle de ça vraiment dans beaucoup de centres culturels. Il y a plein d'événements qui se passent en Espagne où les invités. Moi, j'ai mis ça aussi parce que normalement, des gens que vous voyez là, c'est des gens d'abord assez jeunes. Ils sont toujours tous des collectifs d'archives qui font des choses comme celles que vous faites. Hein. Mais il y en a vraiment pas mal. Hein. Moi, à chaque fois, moi aussi, des fois, ils m'invitent à des trucs comme ça, des réunions, des tables rondes, tout ça. On se trouve tout le temps les mêmes autour de la table à parler tout le temps les mêmes choses. Non? D'un côté, c'est bien parce que les gens qui, par exemple, les étudiants qui ont envie de voir un imaginaire différent, d'entendre la profession et la gestion urbaine, avec tous ces événements, ils peuvent rencontrer directement les gens protagonistes de cette transformation. En plus, en Espagne, il y a une chose qu'on va vivre tout à l'heure, mais ça passe toujours, après, il y a toujours les pires. Du coup, quand tu vas à un événement, tu peux parler avec n'importe qui. C'est pas important si c'était quelqu'un qui était en train de présenter sur un plateau, tu parles vraiment avec n'importe qui. Non? Donc, la partie positive, c'est ça. Il y a une sorte de point de rencontre grâce au centre culturel. La partie négative, c'est que c'est un peu devenu du spectacle. C'est un peu spectacle. C'est un peu du spectacle. Et là, on retourne sur un problème et une différence que je vois très fort par rapport à ce qui se passe en France, c'est qu'en Espagne, les gens qui essayent de changer les choses touchent juste l'argent qui vient du monde de la culture. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que les spectacles, quelque part, j'exagère parce que je suis aussi un peu comme ça, mais les spectacles, quelque part, ça sert à financer la transformation qu'ils sont en train de faire ces gens, les collectifs. Ils ont besoin de l'argent du spectacle, de la culture, de l'art, pour financer tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que sur ça, il n'y a pas d'argent. Les mairies, ils ne posent pas d'argent sur ça. Non? Toutes les fois qu'il y a des choses qui se passent, des transformations urbaines très intéressantes, vraiment, c'est des gens qui ont galéré, ils ont cherché l'argent où il n'y a pas pour faire un changement. Et après, à côté de ça, ils essayent de gagner un petit d'argent avec d'autres moyens. Et par contre, j'ai vu, même si je sais que pour vous c'est galère, qu'en France, je vois que quand même il y a une relation un peu plus proche, même si je sais que ce n'est pas vraiment le mot, avec les mairies. C'est-à-dire qu'au moins, il y a une approche. Moi, ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y a vous avez parlé tout le temps des connexions avec des transformations urbaines, des plans d'urbanisme et tout ça. En Espagne, c'est pas comme ça. En fait, tu as une fondation qui t'appelle et qui te dit « Bon, on va faire un workshop, une semaine, on fait ce que vous voulez. » Non, il y a aussi un truc qui est un peu bizarre, c'est que comme on est un peu inscrit dans le monde de l'art, des fois on est un peu plus libre de faire n'importe quoi. Non? Ici, je pense que c'est pas le cas. C'est un peu différent. Et, bon, ça, on en a déjà parlé. Les universités, c'est gris. Bon. Contexte. Bon, je disais qu'il y a plein de choses qui avaient en Espagne et que c'était vraiment responsable de ça. La première, c'est ça, bulle immobilière. Beaucoup d'argent. Ce que je vous disais de la culture, c'est que en fait, il y a un système qui est en Espagne. Les mairies, ils ont gagné beaucoup d'argent avec la bulle immobilière. Parce que plus les cités grossissent, plus un peu ils avaient plein d'argent à dépenser. Les contextes les plus faciles
où tu peux dépenser de l'argent, c'est la culture. Personne, quand tu as l'argent, personne ne peut dire non, ne dépense pas l'argent sur la culture. C'est vraiment impossible. Par contre, si tu n'as pas l'argent, c'est la première chose que tu quittes. Non, la première chose que tu enlèves. Et maintenant, ce qui passe en Espagne, c'est ça. Les jeunes qui voulaient changer les choses, ils ont profité bien de la situation de la bulle immobilière parce que il y avait beaucoup d'argent, il y avait les mairies dépensaient beaucoup d'argent dans des programmes culturels dans deux sens. D'un côté, pour construire des centres culturels, en Espagne, il y en a plein. Tu vois, une mairie de 2000 habitants, peut-être qu'il y en a même deux, des centres culturels, non ? Avant, ça passait avec les églises, maintenant, en Espagne, c'est avec les centres culturels. Et après, il n'y a pas moyen de donner du contenu à tous ces centres culturels qui y a en Espagne. Non ? Du coup, il y avait une boule culturelle. Il y avait une boule culturelle, et je pense que les architectes, les gens en général plus créatifs, ils ont trouvé un espace où pouvoir se développer, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu présentes à tous les centres culturels un workshop, tu fais que ça se voit bien et tout ça, mais dans ta tête, tu sais déjà ce que tu veux faire. Non, c'est-à-dire, tu ne le dis pas, mais tu vas à ton workshop au centre culturel, mais tu sais déjà que pour toi, c'est un moyen d'expérimenter des démarches que tu osais bien expérimenter. Non, tu les vends sur le cadre de la culture, mais en fait tu as d'autres choses. Ça, c'est important de savoir que ça, c'était possible parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Autre chose, je vous avais dit, en Espagne, c'est vraiment très fort la présence de la culture de l'open source. Et nous, en Espagne, on appelle la culture libre. Et c'est vraiment très fort. Beaucoup de fois, on associe ça à la piraterie. Mais en Espagne, il y a vraiment un sentiment de open source, c'est-à-dire de cette idée que la connaissance, il faut la partager. Et il y a toute une idée de bien commun, il y a toute une conscience par rapport à tout ce qui est produit par la collectivité. Par exemple, la connaissance, on sait bien que et vraiment, c'est un sentiment partagé. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut produire soi-même. Si moi, j'apporte quelque chose de connaissance, c'est toujours quelque chose que j'ai pris de quelqu'un, que j'ai transformé, mais ce n'est pas une connaissance en moi. C'est quelque chose qui appartient au bien commun. Et ça, c'est vraiment très, très fort. On va voir ça parce que et c'est important aussi par rapport à comment s'établissent les relations, les connexions entre tous les collectifs et les agents qui sont en train d'échanger les choses en Espagne. Bah, ça c'est aussi c'est un autre concept, je ne sais pas comment dire en français, adocracy, dont on est en train de parler aussi pas mal en Espagne. On va voir si je suis capable d'expliquer ce que c'est. Autocratie, c'est les situations, les démarches qui permettent mettre en place une organisation pour des gens qui ils ont un objectif très spécifique. Sans mettre trop d'accent sur la structure même. C'est-à-dire que beaucoup de fois, quand on est en train de penser à un changement, à comment changer les choses, on pense beaucoup à la structure qui permet ce changement. Ça, c'est normal, c'est nécessaire, mais le problème, c'est que des fois, la structure, ça devient plus forte que les objectifs. Du coup, on donne beaucoup d'énergie à maintenir cette structure plutôt que changer les choses. Ce que je vais vous dire, c'est que je fais un exemple pour entendre ça, c'est plus facile. En Espagne, des amis, on voulait se réunir
qui parlait de nouvelles démarches par rapport à l'éducation ou l'apprentissage. On a formé une petite structure avec des règles. On s'est réunissé tous les 15 jours. On avait décidé qu'à chaque fois, on décidait tous ensemble de quoi on allait parler. C'est-à-dire qu'on ne disait pas ce qu'on allait parler les 15 jours d'après, mais à chaque fois, c'était des idées au moment où ça commençait l'assemblée. Ça, c'était pour éviter qu'il y ait une position hiérarchique entre les gens qui participent à une assemblée. C'est-à-dire que n'importe si tu as déjà participé à d'autres assemblées, tout le monde a le même pouvoir pour décider quel va être le sujet dont on va parler. Après, on avait une autre règle, c'était on ne veut pas faire de ça une structure pour monter des projets, des transformations. On vient ici juste pour parler. Bon, ça marchait très bien, mais après une année, c'est mort. On a perdu l'intérêt de se réunir et c'était pas grave. C'est-à-dire, on dit, on n'a plus envie de se voir. En fait, en faisant une analyse, on savait qu'il était passé quelque chose de vraiment très intéressant. C'était que tous les gens qu'on se réunissait tous les 15 jours, en fait, on s'est connus bien et on a commencé à faire des projets ensemble. Et du coup, on n'avait pas besoin d'un rendez-vous tous les 15 jours pour se voir. Et du coup, on a perdu l'intérêt de se voir. Non. Ça, c'est une situation endocratique. C'est-à-dire que si tu te sens trop sur la structure, peut-être que tu perds la possibilité de monter d'autres choses. Je ne sais pas si ça a été très clair, mais en français, c'est un peu difficile d'expliquer tout ça. Mais ça, et bon, et tous ceux qui s'est indignés le 15 mai, tout ça, les réseaux qui sont en train de se passer en Espagne, beaucoup de fois ça marche comme ça. C'est-à-dire que on ne se prend pas sur la tête sur la structure, sur le futur de la structure. On doit penser à la structure, mais pas seulement à le futur. Et après, il y a un thème vraiment très intéressant, c'est la blogosphère. Blogosphère, c'est-à-dire qu'au milieu, architecte, sociologue, gestion urbaine et tout ça, en Espagne, il y a vraiment plein de blogs qui parlent de ça. Ça, c'est relié à ce que je disais tout à l'heure de la culture en des ressources. C'est que vraiment en Espagne, il y a eu un changement de mentalité. Donc, chaque agence, chaque groupe, chaque collectif, finalement, a un blog où il est en train de partager avec tout le monde les projets, les références, des choses intéressantes qu'ils trouvent sur Internet. Ça, c'est vraiment très important parce que ça donne une connexion continue entre tout le monde. Non? Par exemple, ici, j'imagine que vous, avant, vous n'aviez pas de connexion, par exemple, par mail, par blog, par réseaux sociaux. En fait, c'est peut-être la première fois que vous voyez tous ensemble. Donc, vous avez besoin d'un espace physique pour cette connexion. Et, chose que c'est fondamentale. On va voir après, je n'ai pas la présence physique, c'est fondamental. Non? Mais c'est aussi important, c'est intéressant de pouvoir compter sur des démarches de connexion continue. C'est-à-dire que les connexions entre vous, ça pourrait marcher aussi si vous, dans le futur, commencez à partager entre tous vous des informations. En fait, la liaison entre vous, ça pourrait être cette connexion. Et en Espagne, c'est comme ça que ça marche déjà depuis longtemps. Bon, on va parler maintenant de la situation espagnole, comment ça marche les réseaux, les collectifs d'architecture en Espagne. Et j'ai insisté beaucoup sur un concept, que c'est l'identité. Normalement, je pense que beaucoup d'entre vous, ils ont eu ce débat à l'intérieur du collectif, de l'association de ça. Normalement, ça s'est passé, ça passe toujours en Espagne, pour se définir. Les collectifs utilisent
un contexte que moi j'appelle liquide, c'est-à-dire qu'il y a une identité collective où l'individu est un peu flou. C'est-à-dire que beaucoup de fois on préfère privilégier l'identité collective sur l'identité de chacun des individus qui font partie du collectif. Notamment, je vais faire référence sur deux ou trois collectifs, c'est vraiment très connu en Espagne. Notamment, c'est l'exemple des Zoloarcs, c'est un des collectifs plus connus en Espagne, peut-être. Et notamment, c'est comme ça, Zoloarc, ils te disent tous, on est Zoloarc. C'est fini. Moi, j'ai ma critique sur ça, mais ils disent comme ça, tous, on est Zoloarc. Si tu veux parler avec Zoloarc, ben, tu envoies un mail, tu ne sais pas qui va te répondre, quelqu'un va te répondre. Mais bon, je voulais, peut-être après on va réfléchir plus sur ça, mais c'est comme ça. Non, ça c'est l'identité d'équipe. Zoloarc, tous on est Zoloarc, non, mais quelqu'un il va te répondre, tu ne sais pas qui. D'ailleurs, c'est comme ça, il ne filme pas avec un nom, tu envoies un mail, il te répond Zoloarc, tu ne sais pas qui. Après, il y a un autre, c'est Basurama, peut-être aussi vous connaissiez, c'est un autre collectif. Et je prends aussi celui-là, Basurama et Zoloarc, parce que je les connais personnellement. Donc, je peux me permettre de dire n'importe quoi. Et je les connais personnellement et je n'ai pas de problème à parler avec eux. Et en plus, les deux sont à ma vie, plus ou moins, c'est tous de la même âge, c'est mon âge plus ou moins. Mais ils ont une approche vraiment très différente, non ? Basurama, c'est le contraire. Ils disent, non, nous on est 10, par exemple, on est 8, mais vous voyez dans les photos, c'est qui Basurama ? On ne sait pas. C'est toujours, c'est une différence de l'identité liquide de ces collectifs, il y a une... Là, je vois un héritage qu'on a eu en Espagne parce qu'il y avait. C'est un peu une réaction qu'on a eue dans l'école d'archi par rapport à l'archistat. Non, ça, c'est un peu le résultat. On en avait marre des archistats, de l'individu. Je pense qu'en France, c'est le même. Non, les architectes, normalement, ça s'appelle le nom de l'architecte y associé. Bon, le nom de l'architecte est tout court. Non, Jean Nouvel est associé. Jean Nouvel, je pense qu'il a même vendu son nom. Bon. Je vois en Espagne, il y a cette nécessité de changer de démarche et de dire non, l'identité, c'est une identité collective, nous, on ne peut pas apparaître. Vraiment, c'est le même avec Zoloarc. Ils ont un logo et c'est tout. Bah, après, il y a une autre référence en Espagne, c'est Arquitecturas Colectivas. No? Arquitecturas Colectivas est un réseau qui, on peut dire, prend sa force avec des rencontres plus ou moins annuelles. Chaque année, ils font une rencontre dans une ville. Et on peut dire que les rencontres, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils donnent l'espace, cet espace dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a besoin pour rencontrer des gens qui sont en train de travailler sur le même thème, qui ont les mêmes problèmes que nous. Et cette nécessité de voir qu'il y a des gens qui, quand même, ils réussissent à faire des choses. Non, on a besoin de voir matérialiser un imaginaire de transformation et de changement qu'on a tous en alternative. Non ? C'est-à-dire que pour que les choses vraiment ça change, c'est nécessaire de voir qu'il y a d'autres gens qui sont en train de faire le même. Non ? Sinon, on reste tous chez nous et ça ne peut pas passer. Et après, il y a une autre chose intéressante de ces rencontres, c'est que à chaque fois qu'on choisit une ville, en fait, les collectifs de la ville, ils s'engagent vraiment très fort en organisant toute l'organisation d'un événement.
il y a vraiment beaucoup de gens qui participent, il y a plein de workshops, vraiment depuis toute l'Espagne, je pense que aussi quelqu'un de vous, ils sont allés participer. Et aussi, on cherche de travailler sur des sujets très locaux. C'est-à-dire, on essaye que les rencontres, ce n'est pas un rencontre qui a un intérêt soi-même, sinon que ça apporte, ça donne quelque chose à la ville où est mis en place le rencontre. Comme je vous ai dit, moi j'ai aussi mes critiques. Ma critique sur ça, c'est que la structure, pour moi, c'est un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que ça ne marche pas vraiment comme un réseau. C'est trop. Il y a une identité très forte de les premières personnes qui ont monté ça. C'est pour ça que moi je suis vraiment très obsédé avec l'identité. C'est-à-dire qu'il y a une identité, un imaginaire collectif par rapport à ça qui ramène tout le temps à deux ou trois personnes qui sont les gens qui ont monté ces rencontres. Donc les rencontres, c'est génial, mais au niveau d'une capacité vraiment de créer des connexions, un réseau, un changement, et même s'il y a des choses vraiment très intéressantes, moi j'aimerais des choses un peu plus actuelles, où il n'y a pas vraiment une centralité, une identité qui peut être associée à des personnes. Non? Ça c'est très important, je pense. Et moi c'est ma critique que j'ai fait à ça. Après, bon, je vous disais, en Espagne, il y a plein de centres culturels qui organisent des rencontres. Non? Là, c'est une rencontre. Bon, attends. Après, il y a une chose intéressante en Espagne, c'est que, on disait, l'agenda culturel de beaucoup de centres culturels, ça marche un peu, comment on peut dire, avec des propositions. C'est-à-dire que, par exemple, ça, c'est un centre culturel de Madrid. Madrid, chaque année, fait une commande, un concours pour que les gens proposent des projets. Et après, il y a une sélection. Et après, ces projets, ils rentrent dans des centres culturels. Donc, ça, je parle là d'une rencontre qui s'appelle Green Via, qui a été proposée aussi par un groupe intéressant qui est à Madrid, qui s'appelle Vivero de Iniciativas Ciudadanas. Mais ça n'était pas, ce que je veux dire avec ça, c'est quelque chose qui a été pensé par des gens qui ne font pas partie de l'administration publique. Ce n'était pas le propre centre qui a monté la rencontre. Ça, c'est intéressant parce que c'était la rencontre de plusieurs agents citoyens, associations, architectes, techniciens, même politiques, même s'il n'y avait pas de même, de toute l'Espagne, et l'idée c'était d'échanger les bonnes pratiques qui se passent dans l'espace public. C'est-à-dire comment il y a des pratiques, de l'innovation sociale dans l'espace public. Non? Et c'était trois jours où tous les gens s'étaient en train d'échanger, un peu comme on a fait, un peu vite fait maintenant. Non, ça c'était un peu plus long, mais c'était ça. Et c'est quelque chose qui a été promu pour un collectif. Et c'était vraiment. Tu vois, là, il n'y a pas, on peut dire, la démarche du système qui était mise en place, ce n'était pas comme on avait dans l'architecture collective. Il n'y avait pas cette identité forte sur les gens qui organisaient ça. Et ça m'a paru très intéressant. Et comme ça, il y en a pas mal. Moi, je viens de participer à des trucs comme ça, des rencontres, par exemple, à Bilbao et San Sebastián, c'est toujours la même démarche. Il y a des gens qui proposent des rencontres, mais eux, ils se mettent à disposition du rencontre. Il n'y a pas une présence très forte du promoteur de l'événement. Et je retourne, il y a aussi des choses très intéressantes. Là, je vous présente la Ciudad Viva. La Ciudad Viva est un bloc collectif. C'est un peu une histoire spéciale. C'est un bloc collectif du gouvernement de la région d'Andalousie. Ça, c'est vraiment très spécial. Ça vaut la peine de raconter un peu la petite histoire. Le département de politique urbaine du gouvernement de l'Andalousie
il y a des années, je voulais monter un gros séminaire, un gros événement pour discuter de politique urbaine. Et c'était un truc qui voulait apporter aussi toute l'expérience de l'Amérique latine. Personne, non, ça n'a pas marché. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, ça n'a pas marché. Il n'y avait pas un exit, il n'y avait pas un succès que le gouvernement voulait. Du coup, il y a des gens qui ils ont lui proposé, bon, pourquoi pas, au lieu de faire un événement, pourquoi pas monter un blog et inviter des experts à écrire sur ce blog. Et aussi, une chose qui est importante, payer pour ça. Donc moi-même, j'étais invité, par exemple, à écrire sur ça. Du coup, ils ont monté un blog, et c'est vraiment une petite encyclopédie de toute une série de pratiques urbaines alternatives. Et c'est quelque chose qui a été promu. Je pense que les politiques ne savent pas bien qu'est-ce que c'est ça, non? Mais pour les techniciens, on peut dire pour les gens, ça a été vraiment très important parce qu'avec ça, on s'est connu pas mal de personnes et aussi ça aide à générer ces réseaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Cet échange de communication, d'information, c'était intéressant. En plus, la chose positive de ça, c'était que comme c'était un truc public, on peut dire une administration publique, c'était pas. Je retourne sur l'identité, non? Si tu es en train d'écrire sur ça, ce n'est pas le même qu'écrire sur les magazines dont j'ai parlé tout à l'heure, non? C'est vraiment, ça donne plus d'intérêt d'écrire sur un blog collectif qui est géré pour l'administration publique dans ces cas-là, parce qu'il n'y a pas une identité très forte. Dans ces cas-là, en plus, il n'y avait pas vraiment une manipulation politique. Parce que je pense que qu'ils n'arrivaient pas non plus à entendre ce qui s'était en train de passer. Non? Mais ils voyaient qu'il y avait vraiment un très succès, parce que c'est vraiment un blog très, très lu en Espagne et en Amérique latine. Et je vais terminer, et je vais insister sur Internet, très vite, je ne vais pas très, très long avec ça. D'ailleurs, il y a quelle heure je vais vite. Bon, pourquoi j'insiste sur Internet? D'abord parce que vraiment c'est un outil pour partager, pour communiquer. C'est pas l'intérêt en soi-même la technologie, mais c'est intéressant ce qu'on peut faire avec elle. Non? Et après, je parle d'apprentissage hybride. Parce que ce qui se passe maintenant en Espagne, c'est que les étudiants, par exemple, peuvent se communiquer directement avec les agents transformateurs de la profession, des professions associées à la gestion urbaine. C'est pas comme avant que moi je devais acheter les magazines, lire les projets, et bon, je dis, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je devais aller à l'université pour savoir quelles étaient les bonnes pratiques. Non? Maintenant, moi, je parle directement avec les gens qui sont en train de faire des choses intéressantes. Ça, c'est apprentissage hybride, c'est-à-dire que l'étudiant parle directement avec des techniciens. Ça, c'est nouveau, c'est très important parce que ça change complètement les capacités d'innovation qu'on peut avoir. Parce que les étudiants ont aussi des plus bonnes idées. Et on va voir après, en fait, tout ça, ça donne une ambiance d'échange de connaissances qui nous amène un peu à une intelligence collective. Et après, notre question, pourquoi l'importance de l'Internet? C'est quelque chose que les experts appellent la dimension locale. C'est-à-dire que maintenant, nous, on ne vit pas... C'est-à-dire, même si on donne beaucoup d'importance au local, au lieu où on vit, en fait, ce qui se passe dans le monde, si on ne voudrait pas, finalement, ça a un effet, des fois, négatif, sur ce qu'on est en train de faire
dans notre petit village paumé. Parce que, par exemple, la crise économique, c'est un exemple, non? Nous, peut-être on est dans un lieu vraiment perdu, mais le fait qu'il y a une crise économique, ça peut générer un changement vraiment très fort dans ce village, parce que peut-être que ça se termine les ressources économiques, il n'y a plus de travail, et les gens laissent le village et c'est fini. Et même au niveau de la connaissance, on peut expérimenter le même processus. C'est-à-dire que c'est un peu aussi, si vous voulez, le sens de ma présentation aujourd'hui. Non, c'est-à-dire si en Espagne il y a quelque chose qui se passe, pourquoi pas le attacher, pourquoi pas donner des connexions à ce qui peut se passer en France, ce qui est en train de se passer en France. Non, c'est-à-dire que même si les lieux sont différents, les cultures sont différentes, finalement, il y a des choses qui sont vraiment à une échelle plus globale. Et cette connexion est vraiment très continue entre les deux dimensions, c'est-à-dire locale et globale, ça donne vraiment une force incroyable. Non? Et effectivement, Internet, ça aide à que ça soit possible. Et j'ai trouvé sur l'identité, parce que je suis obsédé sur ça aussi. En Espagne, on commence à avoir des premières expériences, on peut dire, de ce qu'on peut appeler identité en réseau. Je vais essayer d'expliquer rapidement ça. Bon, d'une part, on peut dire que cette idée de « moi je suis architecte, je vais travailler dans une agence », c'est presque terminé, non? Au moins en Espagne, ça c'est clair, non? Tu termines l'université, tu es architecte, toi tu es urbaniste, tu ne penses pas, bon, je vais chercher un travail dans une agence. Tu penses, bon, soit je vais dans un autre pays, d'ailleurs, j'en avais pas mal d'amis italiens qui ont quitté l'Espagne pour ça, non, parce qu'avant, il y avait pas tant d'Italiens qui travaillaient là-bas, maintenant, c'est fini. Si tu quittes pas le pays, en fait, tu dois inventer toi-même. Et là, maintenant, notre génération, je pense qu'on est en train de vivre une transformation très forte par rapport justement à l'identité. La génération d'avant nous a donné un monde qui donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à l'identité associée à l'activité professionnelle. Non? Moi, je suis architecte. Non, moi, je suis artiste. Non, moi, l'identité personnelle, c'était vraiment associé à ton activité professionnelle. Maintenant que ce n'est pas plus tant clair, aussi clair quelle est notre profession, ben, on est un peu tous perdus. En Espagne, c'est vraiment fou. Je pense qu'il y a même, on pourrait l'appeler à propos de psychologie urbaine, une maladie, parce que les gens terminent les études, ils ne savent pas qui ils sont, parce qu'ils n'ont pas une référence directe de leur travail, non? Bon, j'ai pas... Il y a des gens qui sont en train de travailler ça, si ça vous intéresse, par exemple, il y a Pierre Lévy, qui est un philosophe qui parle beaucoup de ça, il y a l'anthropologue, et c'est aussi très intéressant, qui parle de ça, qui c'est Tim Ingold, et bon, si ça vous intéresse, vous pouvez un peu profondiser sur ça. Donc, dans ces scénarios, les gens commencent à développer une identité qui s'est construite soi-même et qui n'est pas tout le temps collectif. Là, je viens sur le collectif. Non, avant, on avait parlé de cette identité liquide. Maintenant, on est tous en train de construire une identité qui n'est pas une identité collective, mais c'est une identité qui s'est construite constamment en relation avec les autres gens. Ça, c'est aussi 15 mai. Indignados, c'est ça. Non? C'est-à-dire que moi, si je veux changer une chose dans mon village, par exemple, s'il y a des mouvements indignados, la démarche traditionnelle, c'était, bon, on doit se rencontrer, on doit se mettre d'accord, on doit faire des assemblées. La nouvelle démarche, c'est...
Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Et je vais vite fait parler avec eux. Ils ont de l'expérience. Et on ne doit pas demander permission à personne pour faire ce qu'on croit que c'est juste. Mais l'impression de ça, c'est qu'à chaque fois, je cherche toujours une relation. Je ne parle pas moi-même seul. Je cherche une relation. Mon identité, ce n'est pas une identité partagée avec d'autres personnes, mais c'est une identité qui met vraiment une position très importante, une connexion avec d'autres personnes. Notamment, ça passe très fort au niveau professionnel. C'est-à-dire que beaucoup de projets, ce n'est pas des projets qui ont été menés par un seul collectif ou une seule personne, mais que ça commence à être des projets où plein de collectifs, 3, 4, 5 collectifs, travaillent ensemble pour arriver à développer des projets. Moi, je pense, j'imagine que un des l'essence de ces rencontres, c'est aussi ça, non, de pouvoir arriver à avoir plus de ce type de situation. Et justement, pour clarifier un peu pourquoi je parle aussi beaucoup d'Internet et d'identité, par rapport aussi un peu à la critique, un peu la vision un peu qu'il y a en France par rapport à Internet et l'identité numérique, normalement, on pense que l'identité numérique, c'est quelque chose qui est associé à Facebook, à Twitter, à tout ça. Et on pense que si on n'a pas un compte sur ça, on n'a pas d'identité numérique. Le problème avec l'identité numérique, c'est qu'on n'a pas de choix. On a tous une identité numérique. Après, on a des outils qu'on peut utiliser pour gérer l'identité numérique. Non, d'ailleurs, Twitter, Facebook et tout ce que vous voulez. C'est des outils, mais ce n'est pas l'identité numérique. L'identité numérique, ce n'est pas quelque chose qu'on crée nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui est créé pour la société. Parce que les gens partagent des infos sur nous, et ça, c'est l'identité numérique. Nous, on a plein de collègues, des amis qui parlent de nous sur Internet. Ça, c'est l'identité numérique. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Je dis ça parce que, un peu pour poser un peu l'accent sur l'importance de l'Internet et aussi au niveau d'échange des connaissances, vraiment d'une conscience, si on peut dire, par rapport à ça. C'est-à-dire, même les collectifs, même si vous n'avez pas une page web ou vous n'avez pas un blog, tout ça, vous avez une identité digitale, numérique. Donc, ça serait intéressant que vous preniez pouvoir sur cette identité et vous l'utilisez pour créer ces connexions dont je viens de parler, pour échanger toute la connaissance qui est en train de se fabriquer entre vous. Non? Et ça amène à cette idée d'arriver à un apprentissage en réseau. Et quand on a un apprentissage en réseau, normalement, on retourne au physique. Moi, je voulais terminer avec ça parce que sinon, semble que je suis trop obsédé sur le digital, sur le numérique, l'Internet. Le fait que je suis là, c'est grâce aussi à Internet, mais je suis là, je suis avec vous, non? Et vous aussi, peut-être vous avez, pour arriver ici, vous avez eu, je suis sûr, plein de communications sur Internet, des mails et tout ça. Ça, c'est juste un exemple naïf de l'importance d'Internet. L'intérêt, ça, c'est que les communications, si c'est passé par mail, maintenant, ça devient quelque chose de plus transparent. C'est-à-dire les communications ouvertes, où tout le monde peut savoir quelles sont les relations entre vous, quelle est la connaissance que vous êtes en train de partager. Mais, vraiment, je l'ai vécu personnellement, tout le temps qu'on donne de la force à cet échange digital, après, on a un retour vraiment très fort sur les physiques. Et notamment, en Espagne, il y a plein d'exemples vraiment des communautés qui naissent sur les réseaux, sur le numérique, et après, ils organisent des rencontres autogérées, un peu comme celui-là. Non, c'est un peu pour tranquilliser que ce n'est pas une question de... Il y a un monde parallèle, non, c'est vraiment... La réalité, c'est une, c'est justement il y a les deux côtés, physique et numérique, c'est tout. Et bon, si vous avez des questions après, on en parle. Maintenant, on va
de Vierge, je pense, et je suis bien content de partager toutes les questions que vous avez.